Bon, fait que là, je suis arrivée à Montréal. Oh mon dieu, la caméra. Pour le casting, mais pour les auditions de Vlog Academy. Fait que je suis rendue à leur bureau, là, c'est sur l'avenue Cassegrain. Les bureaux de Made In, là, c'est mon agence. Puis pour vrai, leurs bureaux sont juste tellement beaux, là. J'ai hâte de vous montrer ça. C'est vraiment drôle, là, je vois comme les candidats qui arrivent vite, vite, là. Puis je veux comme pas qu'ils me voient, là. Je trouve ça malaisant. Fait que genre, je me cache. Mais c'est ça, je suis comme vraiment excitée, j'ai hâte. Je suis un peu stressée, je sais pas pourquoi. Mais je pense que ça va vraiment être une belle journée, surtout que là, j'ai vraiment hâte de voir Amélie là, de Amy Fashion Impact. J'aime bien gros cette fille-là. Puis aussi Fanny, que je pense que ça va être la première fois qu'on va se voir en vrai. Ça va quand même finir tard, je sais, parce que les auditions vont durer jusqu'à comme 5h, je crois. Puis ça commence vers 10h ce matin. On arrive juste à 9h pour comme un déjeuner, je pense. Puis je sais pas trop faire quoi d'autre, là. Puis là, je sais qu'ils m'ont demandé de faire un petit speech pour me présenter, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais dire, là. Je suis du genre à plus comme improviser, puis même si je foire, ben au pire, ce serait drôle. Je suis avec Amélie. Jess, qui est juste là. Est-ce qu'elle filme aussi? Ah non, ok. Genre, c'est vraiment cute, je vais vous montrer de proche. Ici, il y a des candidats, ils vont venir nous parler. Puis c'est super cute comment on décoré. Puis nous, on va être tous ici. Ça va vraiment être intimidant pour eux, je pense. Là. Puis ça, c'est les bureaux que je vous disais. Là. C'est tellement beau. Puis regardez la vue aussi qu'ils ont dehors. Là. Royal. Ça. Il fait quand même sombre ce matin. Là. Comment ils se torturent parce qu'ils doivent écrire le mot Vlog Academy avec leur corps par terre. Donc. On vient de faire les 5 premières auditions. Ça a vraiment bien été. Oui. C'est vraiment chaud. Il fait chaud. Ouais, il fait vraiment chaud là. On est comme dans une petite salle, qu'on est quand même beaucoup. Puis les candidats là, sont vraiment bons là. J'ai comme déjà deux coups de cœur. Oh my god, c'est une plume. Je pensais que c'était un oiseau mort. Est-ce que c'est le remix? Un petit défi pour vous. Ah, moi aussi? Ouais. Ah, c'est le client. Ça, c'est lui? Ouais. Ça, c'est lui. Même en manteau. Nicolas, you got it!
Étant donné qu'il y a eu aussi quelques votes sur les réseaux sociaux par le public, etc., on a décidé d'écrire un sixième candidat qui a été sélectionné en question du vote du jury et du Cindy. Oh, on te savait. Oh, mais là, je vais pas les nommer, là, mais en tout cas, tout le monde était super bon. Merci. Ils sont tous beaux et belles. Puis là, je vois rien. Mais. Vous vous sentez comment? Allez-y, là. Regarde, on se sent nouveau. Trop pour les noms. Je pense que c'est ça. Un amour. Soyez. Fébril. J'aimerais avoir plus confiance en moi. J'aimerais pouvoir dire que j'ai beaucoup voyagé. Bien souvent, on n'est jamais fier de ce que nous sommes ou de ce que nous possédons. On veut toujours ce que les autres veulent, on les envie, on devient jaloux ou jalouse. On se compare beaucoup avec les autres qui ont plus que nous et on finit par moins apprécier ce qu'on pourrait avoir de cher.